Yop, tout le monde, c'est Melorsat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Comme d'habitude, on va se retrouver pour l'événement de l'amplificateur d'énergie. Donc, on a fait les 4 premiers. Il nous en manque 2 à faire. Donc, je vais les faire tout de suite. Littéralement, on a fait que du bronze hein, parce qu'on a fait en x1. On va rester en x1. Ce que je trouve, c'est plus intéressant du coup, parce que ça fait vraiment de la difficulté. C'est dur à aller chercher le 2000 voire même le 5000. J'étais pas loin sur la session de hier, du coup, enfin de jeudi. Mais on va voir sur aujourd'hui. Après, je prends pas forcément le. Bah, je suis déjà devant en fait, donc c'est bon. C'est juste ici en fait. J'étais déjà devant en fait, donc je sais pas pourquoi je cherche à TP dessus. Donc c'est ici. Donc bien évidemment, je prends des teams aléatoires un peu. Enfin, je sais pas, des teams tryhard ou quoi. C'est mes teams avec mes persos que j'aime bien. Donc c'est forcément que je galère. Sur le premier, je pense que ça va partir sur du Pyrodendro ici. Avec le grand prince là, il peut être chiant. Bon après c'est on est en niveau assez bas donc ça va. Ah c'est ça le problème, c'est au moment de choisir des teams, je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire. Peut-être prendre Kazuha pour le premier. Après, je pourrais les prendre sur les trois teams, hein, mais comme dit. Oh, bah tiens, on peut avoir la villette. Bon, je les ai les trois déjà. En meilleur, quoi. Allez, c'est la première. On va partir sur E2. On va juste tester comme ça pour le kiff. On va partir du coup sur elfe x2. Ouais, il y a quand même un petit 3, il y a 3 au lieu de 2 si je prends la mienne. Donc pourquoi pas tester. Enfin, je vois un peu des persos différents. Pour un dernier, en quatrième, on va mettre. J'avais dit quoi déjà? Kazuha? Ouais, Kazuha, allez. Il est où? Là. Bon, la team elle est un peu chelou, mais c'est pas grave, c'est juste pour le kiff. Merde. J'ai pas mis de team, on est là pour chill, hein. Clairement. On n'est pas là pour tryhard, je vous l'ai déjà dit souvent, donc voilà. Donc, tac. 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 Et en dernier, on va mettre. C'est tac. Et là, on se finit avec tac. Ouais, ça fait deux. Non, c'est pas bon ça. Attends. Je vais remettre sur celle-là. Je vais mettre comme ça plutôt. Pour qu'il n'y ait pas tous les healers sur le même truc. Enfin, healer. DPS, pardon. Nomade, on va le mettre ici du coup. On jugeait pas, on est là pour chill comme dit. Hop. On est à 44, c'est bon du coup, ça me va. Du coup, attaque. Ouf, je focalise que l'attaque hein, dans tous les cas, de toute façon. Voilà. Hop, on va mettre ça partout du coup. Tac. Tac, tac. Tac, voilà, on se prend pas la tête ici. Et ici, on va mettre. Tout crit, hop. C'est parti, il me reste deux d'énergie. Voilà, je peux faire. Lui, ça peut être utile du coup, par moment. Ah oui, il s'est spawné à l'opposé, bande de bâtards. Du coup, il y a une 30 par manche à peu près, on va dire. Sans trop abuser. Du coup, ça fait à peu près 4 minutes de game, tu vois ce que je veux dire?
Mais en foin, généralement, on va pas se mentir que du coup, tu vas faire à peu près 600, 600, 800, 800 points par manche, quoi. Par tour. Donc, là, comme vous pouvez le voir, je suis à 550, c'est vraiment pas ouf. Je suis à 600, ouais, 600, ouais, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Ouais, 700, mais on fera en x4 et x10 dans une vidéo ou un live. Hein. Vous inquiétez pas, là je suis en x1 parce que vas-y, on est chill pour découvrir un peu les monstres et tout. Mais pourquoi pas faire plus quoi? Voilà, ça me change pas de perso. Et le truc en 40, c'est que ouais, il meurt facilement quoi, du coup tu leur mets quoi 2-3 coups il meurt. Mais comme dit, ça fait pas beaucoup de points, donc c'est un peu l'inconvénient du truc. Ils ont facilité le truc à une puissance vraiment exceptionnelle, mais comme dit, pas beaucoup de points, donc il faut faire beaucoup de monstres à tuer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça fait même pas 100 points par monstre, tu vois. Donc c'est un peu dommageable. Là, j'ai un peu fait moins, je crois, mais je suis encore dans les 600, 700 en vrai. Là, du coup, je déteste les trucs où le R2, tu sais, il dirige tout seul et il va où il veut, quoi. Faut vraiment que rester appuyé. 72 000. Putain, je fais des gros dégâts avec Navia quand même. Oh, mon premier 2000 points peut-être en foin, ou ça va faire comme les autres jours, il va manquer 10 quoi. Non, c'est bon, mon premier 2000 points, quoique il me nique à la fin. Oui, mon premier 2000 points, c'est que c'est faisable en voie de faire 2000 points. Bon, c'était vraiment limite quoi. Enfin, oh, on était riche, hein, 700 points à chaque fois presque. Bon, sur le dernier, j'ai un peu pas dit, fait n'importe quoi sur 2-3 trucs. Ouais, le 2000 points est faisable en foie 1, ça fait plaisir. Mais c'était vraiment limite, hein, 68 points en plus seulement. Mais ça fait plaisir. Oh, putain, tous les monstres qu'il y a, frère. Bon, c'est que des petits. Là, il y a Kaïsa qui va sortir sur le premier. Hein. Comme ça rassemble un peu tout ça. Je pense que là, il n'y a pas photo. Allez. C'est qui ces persos? Venti, ouais, ok. Pourquoi pas Venti en vrai? Sur une des teams, pourquoi pas. Sur la dernière peut-être, ou sur la première plutôt. Qui a un effet rassemblement aussi avec lui en soi, ça fait un côté un peu. Tu vois, j'ai bien envie de le tester, parce que c'est pas un perso que je joue beaucoup. Enfin, j'ai jamais joué même du coup, vu que je l'ai pas.
Pourquoi pas? Ça peut être une idée sympa. Je vais mettre Neuvillette aussi, je pense. Ça peut faire mal. On choisit aléatoirement les teams, hein. Cherchez pas à comprendre ma logique. C'est quoi? Je vais un peu mettre plus de perso 4 étoiles. Je vais mettre 2 5 étoiles et 2 4 étoiles à chaque fois, histoire de varier un peu les trucs. Même s'ils donnent que 2 à chaque fois en énergie, mais c'est pas grave. Je vais un peu essayer de jouer d'autres persos. Je vais mettre toi, même si ça donne que 2 encore une fois. Et pourquoi pas toi? Là, on est vraiment sur une team un peu chelou, mais c'est pas grave. On va essayer de mettre 2 persos 4 à chaque fois en même temps. Là, on est sur du Géo. Ici, je vais mettre du Géo, je pense. Il faut du Géo, c'est pas mal. Pour le golem. Après, hydro et feu, électro, ça marche bien. Je vais peut-être faire. On a dit qu'on va mettre. Attends. On va mettre. Ah, ouais, mais du coup, ça fait deux trucs, c'est pas bon. Putain, je sais pas qui prendre du coup. Vraiment, pour choisir des teams, je suis le pire parce que je sais pas quoi. Va essayer de mettre du 4 étoiles aussi, hein. Allez, on va faire ça comme ça. On va mettre du coup lui là. Ah mince, j'ai pas mis de dealer sur lui du coup, cette team là. Bon, tant pis. Du coup, on a dit on met 2 4 étoiles par team. Du coup, on va mettre. Allez, un petit Kaya. Mais du coup, j'ai que 27 d'étoiles et d'éclairs, mais c'est pas grave. Alors, on va monter avec 8 en plus. Je suis à 35, 36, 37, 38. Il manque 7. Ah ouais, dommage. Ah, j'ai mis beaucoup trop de 2 quoi. Il me faudra un autre 4 et ça passe quoi. Hop. C'est quoi à la fin? On va quand même mettre des gros. Bon, allez, on joue comme ça, tant pis. Bon, on fait pareil, du coup, ça va marcher donc. C'était limite, hein, du coup. On va tester le petit Venti. Ulti direct. Boum. Ah oui, ça dure longtemps son truc, c'est pas mal. Je crois que je vais pas faire beaucoup de points sur celle-là parce que. Mais en fait, il y a que des petits monstres. Et du coup. Je vais pas dépasser beaucoup, je pense. C'est incroyable par contre son ulti à lui. Ça va, j'ai quand même fait 700 du coup. Finalement. Il y avait que des petits monstres en vrai. Enfin, des petits monstres. Ça va quoi.
Ok, là c'est beaucoup, il y a beaucoup moins de bonhommes. Il y a 4 hydros, 4 feux, 3 golems et le ermite là ou je sais pas quoi. Je suis vraiment pas rapide là pour le coup. Mais il y a moins de bonhommes donc forcément ça fait moins de points. Tant que ça respawn et tout. Ah ouais, là j'ai vraiment pas fait beaucoup de points pour le coup. Ah dommage, 1330 je suis là. Ouais. Bon, les tous jouer sur la dernière team du coup. Et si vous vous cachez déjà, ça va pas le faire. Oh, ils ont changé quoi par rapport aux autres games là? Moi j'ai utilisé son ulti juste pour un bonhomme quoi, ça me... Ça me paraît beaucoup plus simple de faire les 2000 points d'un coup aujourd'hui, là je sais pas pourquoi. Bon là il me reste 11 secondes, ça va être chaud. Peut-être pas dû ouvrir ma gueule du coup. C'est bon. Enfin plus facile, pas tant que ça parce que du coup je fais que 12 points de plus, mais... Ok j'ai été réélu. J'ai fait 660 en moyenne. 2012, on n'est pas en 2012, mais bon voilà, ça c'est... Bon, on a été meilleur aujourd'hui, du coup on a réussi à faire les 2000 en x1. Imaginez en x4 alors, je fais combien frère? On a fait entre 1500 et 2000 à chaque fois du coup, en x1. À noter les scores encore une fois en x4, combien je fais, et en x10, voir la différence un peu. Là on a fait que du x1 pour être chill, tu vois, c'est une vidéo, on est là pour voir un peu les monstres. On n'est pas là pour travailler, tu vois, on est là tranquille, chill. Mais du coup, c'est faisable de faire les 2000 points en fois hein, quand même. Faut pas abuser non plus. Même les 5000 en soi, je pense, si vous jouez bien. Donc voilà, c'était la fin de l'événement que je vous montre là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît cet événement. Vos scores aussi, hein, pourquoi pas. Donc on va partir sur Yelan encore une fois pour le vœu de fin de vidéo. On va voir si on a de la chance. 4 étoiles, ça peut être un perso intéressant. Pas Xiangling, s'il te plaît, non, c'est pas un perso du coup, c'est une arme. Le code de Favonius qu'on a déjà bien souvent, déjà donc pas besoin de trop. Les armes, j'invoque jamais dessus, ça me fume par contre. Mais bon, c'est comme ça. Bah du coup, je vous laisse là-dessus. C'était bien sympa de faire cette petite vidéo encore une fois. J'ai pas trop ragé aujourd'hui, je me suis dit, bon, de toute façon, on sait qu'on va pas faire les 5000 points. On sait juste que... Ça c'est quoi en fait? Ah oui, c'est dans le mode... Enfin, c'est dans le... C'est pour l'autre monde. Donc vas-y, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu quand même cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine quoi, pour une nouvelle vidéo. Un nouveau live, bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch hein, pour mes lives. Et sinon, je vous laisse là-dessus. Hein. Si vous avez des questions, vous voulez me parler sur le réseau, jouer avec moi, n'hésitez pas à le faire sur Instagram, Snapchat et Discord, ces réseaux où je vais vous répondre naturellement, quoi, parce que c'est mes seuls réseaux finalement. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao!